dernière négociation, nous tombé d'accord. Mais au niveau, nous avons intégré dans le protocole là, en commission de suivi pour les heures complémentaires et supplémentaires sur l'application intégrale de l'extension de l'accord Bino et le temps de pause. Ça nous gagne, nous payons en augmentation de salaire. Nous demandons 70 euros d'augmentation du salaire de base. Nous devons payer 36 euros. Au niveau à transport, nous demandons une revalorisation de 40 euros. Nous devons payer 15 euros. Et ça n'a pas été prévu, la prime de vacances qui n'a pas été prévue. Et nous devons payer 150 euros net. Vous regardez ETV.